Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se fait une partie de God of War, The Card Game. Si vous voulez en savoir plus sur les règlements ou la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut. Juste avant qu'on commence, c'est juste pour vous dire que le livret des règles est très ambigu et laisse à l'interprétation en plusieurs endroits. J'ai dû faire beaucoup de recherches après le tournage pour clarifier plusieurs règles, puis pouvoir écrire les corrections dans la vidéo par la suite, quand j'étais seulement en possession du jeu pour une soirée. Ok, donc durant cette partie, je vais être le premier joueur, et puis Rex va être le deuxième joueur. Donc notre but, on commence avec cette scène ici. Donc notre but, c'est de réussir à vaincre les deux ennemis qu'on a ici. Puis après ça, quand on va avoir réussi, on va pouvoir aller à une deuxième quête, puis ensuite essayer de vaincre le boss, un grand monstre, puis on va avoir gagné la partie. Mais ça se peut aussi que nos personnages se perdent de l'énergie, oups, et puis qu'on perde la partie. Et aussi, il y a certaines quêtes où ce qui ont des conditions, où ce qu'on peut perdre aussi, si ça l'arrive. Donc, il faut vraiment faire attention à notre énergie et puis à certaines conditions. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est placer nos petits jetons, donc nos personnages. Où est-ce qu'on voudrait commencer? Puis, je pense que moi, je vais me placer ici. Parce que là, ici, on a deux monstres qui sont quand même assez puissants. Donc, je serai pas capable de les attaquer tout de suite parce qu'il faut que j'arrive à battre leur armure en premier, puis il faut que je détruise la plus forte en premier, donc celle de 15 et ensuite celle de 10. Donc juste avec mes cartes, dès le début, c'est presque impossible de faire 15 de dommages. Donc je peux pas vraiment rien faire avec lui. Par contre, si je viens ici, je peux toujours essayer d'avoir cette carte ici, puis si j'ai les deux symboles, je vais pouvoir tourner les deux cartes donc dans le haut ici, donc ces deux cartes ici. Ou si je peux venir ici, lui... Même chose, je serais pas capable. Son armure est impossible à vaincre. Mais par contre, Mii qui nous attaque, on va devoir tourner la carte. Puis là, on va pouvoir l'attaquer. Ce qu'on peut voir, il est en mode de défense présentement. Ici, donc même chose, on a un monstre. Donc c'est lui en bas là. Puis, il faut l'attaquer, mais avec de la distance. Puis lui faire 3 dommages pour pouvoir le tuer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais essayer d'aller attaquer ce monstre-là, puis Rex va se mettre ici pour essayer d'attaquer celui-là, puis faire 4 de dommages pour le vaincre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre 7 cartes chaque joueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, voilà mes 7 cartes. Rex va faire exactement la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, lui aussi peut les regarder, puis on peut se parler. Donc, lui, il y a beaucoup de noir. Puis, donc, il va pouvoir utiliser les cartes ici avec les noirs. Je vais expliquer ça dans un instant. Puis, moi, j'ai surtout des cartes d'habileté spéciale. Donc, les mauves. Mais c'est bon, au moins, j'ai de la distance. Puis, c'est ça qu'il me faut parce que je veux attaquer lui. Donc, je vais commencer. Première chose qu'on va faire, c'était la phase 1, c'était de prendre nos 7 cartes. Et puis, ça se peut aussi que durant la partie, ça change. Donc, ça se peut qu'on ait des petits jetons comme ça qui nous permettent d'avoir jusqu'à 8, 9 cartes ou peu importe, dépendant combien qu'on en a. Mais ça se peut aussi qu'on perde des cartes. Donc, on va en avoir moins dans nos mains. Mais pour l'instant, on commence avec 7. Maintenant, ça va être la deuxième phase. Donc, j'ai 4 options. Puis, je peux les faire dans l'ordre que je veux. La première chose que je pourrais faire, c'est bouger. Donc, je peux m'en aller dans n'importe quelle colonne. Par contre, si je m'en viens où il y a déjà quelqu'un, je peux décider d'aller à l'avant ou à l'arrière, puis la personne la plus proche de la scène, ici, c'est lui qui va prendre les dommages quand les personnes ici vont attaquer. Donc, si je m'en viens ici, je serai protégé, puis c'est tout lui qui prend les dommages. Ou je pourrais m'en aller ici, ou ici. Si on jouera 3 joueurs, puis s'il y a 2 joueurs, eh bien, on ne peut pas mettre un troisième joueur. On peut toujours avoir un maximum de 2 joueurs dans une colonne. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester ici. La deuxième chose que je peux faire, c'est jouer mes cartes, ou les commencer. Donc, je peux jouer certaines cartes, et puis décider de bouger, et puis jouer le reste de mes cartes. La troisième chose que je peux faire, c'est utiliser la rage pour avoir mon habileté spéciale. Donc, quand je me rends à 6, je vais pouvoir utiliser, puis ça, ça monte quand on attaque. Et puis ici, c'est Freya va pouvoir placer ses jetons à elle, comme ceci.
Puis ce que ça lui permet, c'est que ça lui permet de enlever un jeton comme ceci pour sauver un de ses alliés. Donc, si elle décide de mettre son jeton sur Rex, bien Rex, quand il va prendre du dommage, il peut discarter le jeton ici pour empêcher un dommage. Puis la dernière chose que je peux faire, c'est interagir avec les cartes. Donc, ceux qui ont des rectangles comme ceci, donc je peux avoir, si j'ai réussi à avoir deux de distance, bien je vais pouvoir tourner les cartes. Donc ça, c'est mes quatre choses que je peux faire. Mais je pense que la première chose que je vais faire, c'est essayer de l'attaquer lui en haut. Donc, je vais regarder les cartes que j'ai, puis il va me falloir des cartes de distance. Donc ici, je peux soit jouer une carte de distance ou un plus 1. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que si je joue celle-ci, c'est que j'aurai pas accès au plus 1. Mais je vais avoir de la distance, mais c'est comme à 0. Donc je vais être obligé de jouer une carte noire qui vient avec. Donc en jouant les deux cartes comme ceci, je vais avoir une attaque de distance de 2. Par contre, celle-ci, j'ai déjà un plus 1 qui vient avec. Donc si je jouerais la carte noire, celle-ci, comme ceci, donc j'aurais une attaque de distance de 3. Puis c'est exactement ça qu'il me faut pour faire du dommage. Par contre, quand j'attaque, l'ennemi va rouler le dé, puis ça se peut qu'il se défende. Donc dans ce cas-ci, j'aurais roulé un 5, ça n'aurait pas été très très bon. Donc j'aurais pas fait de dommage. Donc est-ce que je veux essayer d'y aller peut-être plus fort, puis y aller avec 6, mais puis espérer d'avoir au moins 3? Ou je peux y aller un petit peu plus conservateur, puis peut-être juste y aller avec, tiens, je pourrais jouer ces 3-là pour 4. Ou juste ces 2-là pour 4. Puis je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais jouer les deux cartes ici. Donc, ça me donne une attaque de distance de plus 4. Donc, mon ennemi va rouler le dé pour se défendre. Puis, il a roulé un 0. Donc, j'ai fait 4 de dommages. Donc, il est éliminé. Quand il est éliminé, normalement, on place un jeton comme ceci pour montrer qu'il est éliminé. Mais on a le symbole de la tête de mort en haut. Donc, au lieu de placer le jeton, je vais tout simplement tourner la carte. Donc, puis on résout ce que ça dit ici. Donc, tous les héros vont prendre un de dommage. Donc, Rex et moi, on prend un dommage. Ensuite, heal 3 damage, donc on peut se guérir de 3 dommages. Donc ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, vu que c'est moi qui l'ai tourné, je peux me guérir jusqu'à 3. Donc j'en ai un. Donc maintenant je peux l'enlever. Donc j'ai été guéri. Par contre, Rex, lui, a encore le 1 de dommage. Et puis dernière chose sur la carte, donc j'ai trouvé un symbole. Puis quand je vais avoir trouvé les deux autres symboles, ici, donc, on a le R, le B puis le N. Donc, c'est comme des symboles des Vikings un peu. Donc, je vais pouvoir tourner la carte. Donc, à date, j'en ai trouvé un sur les trois. Puis, après avoir fait mon attaque, je regarde si j'ai un symbole. J'ai un symbole de rage. Donc, je vais pouvoir avancer de 1. Puis, je discarte les cartes. Comme ceci. Maintenant, est-ce que je voudrais faire mon mouvement, peut-être aller ici, puis utiliser les cartes qui me restent. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Ici, on peut faire plus 1 sur une attaque d'allié, mais bon, c'est pas moi qui attaque, donc je peux pas m'en servir tout de suite. Ici, c'est plus 2 si c'est dans la même colonne. Donc, je peux pas m'en servir tout de suite. Ici, c'est discarter un montant de cartes, donc que vous voulez. Donc, pour guérir de 1 le même montant. Donc, si je discarde deux cartes, bien, je vais pouvoir guérir un héros pour de 2, dans le fond. Puis ici, ça enlève, donc ça annule tous les dommages qu'un héros pourrait prendre durant une attaque. Donc, si Rex, durant son attaque, aurait 3 ou 4 de dommages, bien, je peux jouer ma carte, puis ça l'annule. Donc, si, mettons que je me déplace ici, ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est une attaque de 2. Je pourrais pas le vaincre, mais au moins, je pourrais commencer à y faire du dommage. Donc, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais me déplacer. Je vais m'en aller ici, en arrière.
Je vais me protéger. Ça va être Rex qui va prendre les dommages. De toute façon, lui, il est encore à 9. Moi, j'étais à 8. Il peut se protéger plus que moi. Puis, avec mon attaque de distance, donc je peux soit attaquer en haut ou en bas. J'ai le choix. Si ce serait le rouge, comme ceci, je pourrais seulement attaquer en bas. Mais là, j'ai le choix. Donc, je vais l'attaquer. Ça m'en fait un total de 2. Mon ennemi va se défendre. Puis, oh, 0 encore une fois. Donc, j'étais assez chanceux. Donc, il prend 2 de dommages. Donc, Rex, il va rien que rester 2 à faire pour arriver à un total de 4. Puis, vu que j'ai attaqué, je vais pouvoir prendre un autre jeton de rage. Et ensuite, je pense que les autres cartes, je vais les garder. Je vais attendre. Alors, je vais placer ici, tiens, juste en bas. On peut les voir un petit peu. OK. Maintenant, Rex. Donc, même chose. Donc, il a pris ses cartes. Ensuite, est-ce qu'il veut bouger ou attaquer? Je pense qu'on va attaquer tout de suite. Puis ici, s'il prend son rouge, donc il peut attaquer ici. Ou il peut prendre celui-là aussi. Mais je pense qu'il va prendre le rouge vu qu'il va attaquer là. Puis il va garder celui-là. Peut-être qu'il va vouloir aller attaquer ici après. Donc, avec le rouge, c'est ou plus 1. Donc, il est à 0. Donc, il faudrait encore au moins. J'ai plus 2, plus 2, plus 3. Je pense qu'on va y aller avec 1, 3 pour s'assurer ou avoir plus de chances d'avoir au moins les deux dommages qui restent. Fait que là, j'y fais 3 dommages. Voyons voir comment est-ce que ça défend. 1, wouhou! Donc, j'ai les deux dommages qui restaient. J'ai réussi à éliminer mon ennemi. Même chose encore une fois. On a un symbole de tête de mort. Donc, au lieu de le mettre, on va tout simplement. Ouh! Pardon! Juste avant, j'ai oublié. Il faut faire l'autre étape aussi. À la fin de mon tour, quand j'ai terminé mes cartes, il faut que je tourne une carte comme ceci. Puis, donc on a le symbole ici. Donc, on regarde partout ce qu'on a les symboles. On a la carte ici qui a le même symbole. C'est-à-dire que cette carte ici est activée. Donc, cette carte ici va attaquer. Donc, puisqu'on est ici, ça va être Rex qu'il va falloir qu'il se défende. Puis Rex, ouh, il n'y a absolument rien pour se défendre. Donc, ça y ferait un dommage de 3. Mais j'ai des cartes ici. Donc, annule tous les dommages qu'un héros pourrait prendre. Donc, je vais prendre cette carte-ci, la discarder. Donc, ça l'annule tous les dommages que Rex aurait pu prendre. Donc, j'ai comme prêté mon bouclier, si on veut. OK, là, ça revient justement à ici. Désolé, j'avais oublié ceci. Maintenant, la carte ici va être disponible pour nous pour prendre au prochain tour. Donc, maintenant, on tourne la carte puisqu'elle a été battue. Donc, Rex va avancer de 1. Mais là, vu qu'il a attaqué aussi, donc il a avancé de 1, puis il avance encore de 1. Donc, il est rendu à 2 lui aussi. Maintenant, il reste encore des cartes. Donc, est-ce qu'il voudrait bouger puis aller attaquer celui-là? Donc, on va se déplacer. On va aller ici. Puis, on va essayer d'attaquer lui. Donc, je vais jouer celui-ci. Les cartes ici sont discartées. Donc, il va dans sa pile. De discarte. Donc, je vais jouer celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 3 de dommages. Mais, je pense qu'on va y aller avec 2. Parce que je ne veux pas garder trop de cartes non plus parce que je veux quand même en piger et avoir d'autres options aussi au prochain tour. Donc, je vais garder les deux ici pour le prochain tour. Puis, je vais y aller avec les cartes qui sont ici. Donc, je fais 5 de dommages en espérant qu'il ne soit pas capable de se défendre plus que 2 pour que je puisse l'éliminer tout de suite. Et on a un 1. Excellent! Donc, il est vaincu. J'ai réussi à faire un minimum de 3. Donc, encore une fois, symbole comme ceci. Donc, on tourne la page, pas la page, mais la carte. Puis, ouh, j'ai trouvé un autre symbole. Donc, il m'en manque juste un à trouver pour pouvoir tourner cette carte. Et puis ici, ouh, tous les héros prennent un de dommage. Et voilà. OK. Maintenant, on enlève les cartes. Ici, il reste juste les deux cartes ici, mais on va les garder. Donc, c'est la fin de son tour. Là, j'oublierai pas, on prend une carte, on regarde le symbole. Donc, c'est une espèce de F, on a ici
et ici, les deux cartes ici. Donc, on commence toujours de la gauche vers la droite et toujours celle du haut avant celle du bas si on est dans la même colonne, comme ici. Donc, ici, c'est-à-dire que tous les héros prennent un de dommage. OK, petite erreur. De toute façon, je vais l'avoir mentionné avant. Ici, quand on tourne, on prend seulement ce qui est ici. Ici, c'est seulement quand la carte est activée. Donc, même chose pour ici. J'aurais pas dû le faire. Donc, présentement, j'aurais seulement un de chaque. Parce que je viens d'activer celui-là. Puis je pense pas qu'on arrête supposé avoir de dommages. J'espère que je me trompe pas. Mais il me semble que oui. OK. Puis ensuite, lui est activé. Donc, ça veut dire qu'il va faire 3 de dommages. Ici, donc, il attaque dans cette colonne et dans cette colonne. Puisque je suis ici, il va m'attaquer. Il me reste encore 2 cartes. Ouh, plus 1 to an ally attack. Ça, je peux pas vraiment m'en servir. Puis, est-ce que je veux... Je peux pas me défendre. Ou est-ce que je veux discarder celle-ci au moins pour pouvoir utiliser celle-ci, puis juste prendre 2? Je pense que je vais faire ça. Je vais discarder les 2 qui sont ici. Donc, en discartant celle-ci, ça me permet d'avoir une carte qui me permet de sauver un dommage. Donc, je me guéris de 1 dans le fond. Fait que c'est comme je me guéris, puis ensuite, je prends 2 de dommages. 3 de dommages en fait, donc ça me donne un total de 3. Fait que c'est comme si j'ai pris 2 de dommages au lieu de 3. Puis, puisque elle a été activée puis qu'il a attaqué, on la tourne. Puis il est rendu comme ça. Donc maintenant, les deux, on a joué nos cartes. On a la carte d'extra. Maintenant, on regarde ce symbole ici. Donc, on attaque encore une fois. Eh bien, l'ennemi, en fait, attaque encore une fois. Maintenant, c'est avec le symbole ici. Puis, on a la carte ici qui attaque. Donc, avec le symbole de distance, ça veut dire qu'il va attaquer l'ennemi qui est le plus loin de lui. Donc, ça veut dire qu'il va attaquer Rex. Donc, avec 2, il n'y a pas de carte pour se défendre. Donc, Rex va prendre 2 de dommages. Puis, puisqu'il a attaqué, malheureusement, donc c'était notre chance pour l'attaquer puis lui faire du dommage. Mais il a attaqué presque tout de suite, donc il revient en mode protection, si on veut. Parce que son armure est considérée comme infinie. OK, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder les cartes qu'on a ici, puis on va pouvoir les ajouter dans notre paquet. Donc, c'est toute la même chose. Donc, on va en prendre une chaque. L'autre est tout simplement remis de côté. Puis, on va en prendre une chaque, puis les cartes, ils vont sur le dessus du paquet, donc c'est sûr et certain qu'on va l'avoir au prochain tour. Ensuite, on regarde si on a réussi à atteindre la condition, mais on n'a pas réussi, les deux sont encore vivants, donc il faut continuer. Puis, on recommence. Donc, maintenant, ça revient à Rex d'être le premier joueur, donc il va pouvoir piger ses cartes. Donc, il y en a déjà 2, donc il en faut 5, 1, 2, 3, 4, 5. Puis moi, je les avais toutes utilisées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, voilà mes cartes et Rex. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il a pigé cette fois-ci. OK. Donc, je pense que... Ouh, est-ce qu'on va être capable d'avoir 15? Donc, avec 1... Non, c'est quasiment tout de la défense. Donc, puis l'armure pour réussir à avoir 15 d'une seule attaque. Donc, on ne peut rien faire pour l'instant. Donc, je pense que notre but, ça va être essayer de tourner ceci. Mais j'en ai pas. Mais honnêtement, c'est vraiment pas clair dans les règles s'il nous faut 2 cartes avec le symbole ou si je peux faire ceci pour avoir 2 cartes. Parce que la seule façon qu'il explique dans le règlement, c'est une carte où ce qu'on a un rouge puis un vert. Donc, il nous montre qu'il joue un rouge puis un vert. Mais il ne nous montre pas exactement si il faut 2 verts ou juste 2 comme ça. Mais je pense que je vais
prendre en considération que c'est un 2. Donc, pareil comme si on attaquerait une personne. Donc, vu que c'est Rex, je pense qu'on va faire ça en premier. Il va faire son déplacement. Il va s'en venir ici. Il va jouer les deux cartes qui sont ici pour pouvoir interagir avec la carte ici. Puis, on va tout simplement la tourner. Mais, il faut tourner aussi l'autre qui est à côté. Donc, on a les deux. Bon, on tourne celle-ci aussi. Et on a trouvé notre troisième symbole. Donc, on a tous les symboles R, B, N. C'est exactement ça qu'il nous faut. R, B, N. Donc, je peux tourner la carte. Maintenant, voyons voir. Oh, tous les joueurs ont une limite de plus 2. Donc, on prend chacun deux jetons pour nous rappeler maintenant qu'on peut avoir une limite. Donc maintenant, on peut avoir 9 cartes dans nos mains. OK, donc Rex va pouvoir enlever les deux cartes ici. Ensuite, qu'est-ce qui lui reste? Donc, surtout de la défense, de défense, défense. Puis, est-ce qu'on voudrait attaquer? Ce serait attaquer de plus... Oups. De 3, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'il peut faire. Donc, je pense qu'il va les garder. En espérant qu'au prochain tour, il y ait plus d'attaque. Puis, peut-être réussir à défendre... à le vaincre. Donc, je vais garder les cartes que j'ai ici. Pour la prochaine fois, j'ai pas besoin de bouger. Je pense que mon tour est terminé. Donc, on pige une carte. Encore une de défense. Puis maintenant, on a le symbole du X. Donc, on a la carte ici. Donc, tous les héros prennent un de dommage. Fou, c'est pas très très bon. Puis, la carte ici. Donc, je me fais... Oh! Qui était en premier? Oh, on n'a pas décidé. Donc, c'est 4-4. Il y a beaucoup de défense. Donc, admettons que j'y aurais pensé avant. Remarque que moi aussi, j'ai 3 cartes de défense. Donc, j'ai un total de 5. Oh, puis ici aussi, j'ai un total de 5. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais vu que lui, il reste 6, lui, il reste 4... On va dire que c'est lui que j'aurais dû y penser avant. Qui que je mets en avant? Donc, ça va être Rex qui va prendre le dommage. Donc, lui va l'attaquer. Puis, il va faire un dommage de 3. Mais, j'ai des cartes ici. Puis, ils vont y avoir... Donc, deal damage to the enemy equals to the damage you block. Par contre, il y a son armure. Donc, ça veut dire que je peux faire du dommage égal... au nombre que j'ai bloqué, j'ai fait un bloc de 3, mais il y a son armure, donc je pense pas que je peux faire le dommage. Je pense qu'il se protège sur son attaque. Donc, je discarde les deux cartes. Maintenant, il est attaqué. Donc, on tourne la carte. Maintenant, on peut l'attaquer. Donc, je vais en profiter. Durant mon tour, je vais me déplacer ici. Puis, je vais l'attaquer avec tout ce que j'ai. Donc, j'ai les cartes bleues que je ne peux pas utiliser. J'ai les cartes rouges maintenant. Donc, j'ai 1 plus 1. Je vais l'utiliser comme plus 1 ici. Puis, 2 et 2. Donc, j'ai 4, 5, 6 de dommages que je peux faire. Donc, voyons voir comment est-ce qu'il se défend avec 2. Donc, j'ai fait un 4 de dommages. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il en reste 16 à faire. Puis, même s'il sort... oh non, c'est vrai, il ne pourra plus. Ici. Donc, la carte dans le bas ici ne peut plus se tourner. Donc, il ne peut plus se défendre. Donc, il est rendu vulnérable à toutes nos attaques. Donc, ça va être plus facile de le vaincre. Excellent, c'est des bonnes nouvelles, ça. OK, donc, j'enlève les cartes qui sont ici. Maintenant, je dois piger une carte. Donc, on a le symbole ici. Donc, lui va attaquer... Puis, il n'y a pas d'autres symboles comme ça. Oh oui, ici. Oh. Le symbole ici, donc je dois le retourner. Huh. Ça veut dire que lui, il est de retour à cause de ce symbole-là. Ouh, c'est pas bon ça. Puis en plus, lui attaque. OK. Donc, il attaque le plus loin, ce qui est lui. OK. Il peut se défendre. Donc, il y a le plus 2 pour se défendre du 2. Donc, il est correct. Il n'est pas obligé de prendre de dommages. Ouh, on a été chanceux.
Maintenant qu'on a fini nos tours, ouh, on a attaqué aussi. Donc, j'augmente, puis lui aussi, Rex a attaqué tantôt. Ah non, lui, il a fait une interaction. Donc, il n'est pas censé augmenter. Ouais. Là, on pige une autre carte. On regarde le symbole. Un X, encore une fois. Ouh. Toutes les roues prennent un dommage. Ah, ça va pas bien, là. Oh, puis lui, il attaque encore une fois. Puis je peux pas me protéger. Donc, 2 de dommages encore une fois. OK, donc maintenant, on peut prendre les cartes qu'on veut. Donc, je crois que... on a assez de défense. Je pense qu'il va falloir commencer à attaquer vraiment, là. Fait qu'on va prendre chacune une d'attaque. Puis, on va faire de notre mieux. Donc, on reprend nos cartes. J'en ai... Rex en a encore 2. Mais là, on est rendu jusqu'à 9 cartes. Donc, je peux avoir donc 7 autres cartes. 1, 2, 3, 4. Puis, on mélange celui-ci. Donc, 9 cartes. Même chose pour... moi, j'en ai 3, donc il m'en faut encore 6. J'en ai 2 ici. Donc, il m'en faut encore 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà toutes mes cartes. Puis, c'est moi qui reviens le premier joueur. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer? Donc, j'ai beaucoup de défense encore une fois. Les mêmes cartes que j'avais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ok. Je pourrais utiliser ceci pour une attaque de distance, mais encore une fois. Ok, bon, ben, on va utiliser les 3 ici, en fait. Donc, puisque j'attaque, j'augmente de 1. Puis maintenant, je vais utiliser ce côté-là. Ah non, pardon. Celle-ci, je vais utiliser ce côté-là et ceci. Donc, ça me fait un total de 6 de dommages. Puis voyons voir comment est-ce qu'il va se défendre sur mes 6 de dommages. Un gros 0! Wouh! Donc, il va prendre un 6 de dommages. Donc, il est rendu à 10 de dommages. On est rendu à moitié avec lui. Par contre, on a encore beaucoup de travail à faire avec lui. Et puis, je bougerai pas. Mais là, Rex, lui, va se bouger. Puis, je pense qu'il va se mettre... J'ai beaucoup de cartes de défense, donc il va se mettre à l'arrière. Ça va être moi qui va pouvoir le défendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour attaquer? Donc, il y a plus de distance, on dirait. Donc, ça, c'est 2, 5. Il pourra attaquer. Ça, c'est pour se défendre. Ça, c'est un ou l'autre. Donc, plus 2, plus 2, ou... et plus 1. Donc, il fait plus de dommages avec le rouge que s'il prend celui-là. Voyons voir. Fait que s'il prend le rouge, celui-là ne pourra pas s'en servir. Celui-là, il peut s'en servir. Celui-là, il peut s'en servir. Celui-là, il peut s'en servir. Et celui-là, il peut s'en servir. Est-ce qu'on serait même capable d'aller là, si je veux, puis essayer d'avoir le 15? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non. Mais je peux essayer de finir lui, par contre. Donc, je fais une attaque de 12. Voyons voir. Faut pas qu'il y ait plus que 2. Oh, 0! Excellent! Donc, on l'a battu. Donc, il est éliminé. Donc, ça nous fait un ennemi de moins. Maintenant, il reste lui, par contre. Donc, est-ce qu'il voudrait se déplacer? Non. OK. Donc, il va finir son tour ici. Puis, il est protégé. Parce que lui, il peut juste attaquer ici, ici ou ici. Donc, ici, on est protégé par lui. Donc, on va tourner celui-ci. On a le symbole comme ceci. Donc... il attaque, mais on est trop loin, il ne peut pas nous atteindre.
Donc, excellent. Maintenant, c'est à mon tour. Oh non, pardon, pardon, j'ai déjà joué. Ouais, j'ai déjà joué. Donc, ça, c'est arrêté censé être... Oh... Ça, ça aurait été censé être ici. Désolé, j'ai complètement oublié. Donc, techniquement, il se serait fait attaquer avant. Donc, est-ce qu'il y avait la défense? Donc, 3. Ici, c'est 1. Puis, j'ai une des cartes ici que je peux utiliser, que Frère peut utiliser. Donc, plus 1 pour ça. Je peux discarter des cartes aussi pour l'aider. Puis, cancel toutes les dommages pour un héros. Donc, je vais tout simplement... jouer cette carte ici pour avoir protégé mon bon ami Rex. Donc, maintenant, on revient où ce qu'on était. Maintenant, c'est temps de piger la carte pour Rex. On a le F. Ici, on est protégé. Par contre, on a ça ici. Tous les héros prennent un de dommage. Mais je crois que, d'après les règlements, je peux quand même me défendre. Donc, je vais utiliser cette carte ici pour justement pas prendre le dommage. Puis, je vais prendre cette carte ici pour pas prendre le dommage, moi non plus. Honnêtement, c'est pas super clair sur ceci. Ils disent très clairement qu'on peut se défendre quand eux attaquent. Mais la façon qu'ils l'ont mis dans le livre des règlements, c'est pas très clair si c'est exactement la même chose. Ils ont un peu séparé... J'aime pas la façon qu'ils ont fait le livret de règlement. Il y a quelques détails, je pense, qu'ils auraient pu faire en sorte que ça soit beaucoup plus clair. Puis, de toute façon, je vais m'arrêter ici. Je pense que ça vous donne quand même une bonne idée à quoi ça ressemble. Puis, c'était une démonstration d'une partie de God of War, The Card Game. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo. Et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.